Bonjour à toutes et à tous, Alexis Bonaran, éducateur canin dans les Yvelines, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un apprentissage simple, un des premiers apprentissages qu'on met en place avec son chien, le assis. Le assis, on voit ça très simplement en quelques étapes. Première étape, quand vous commencez à travailler le assis, vous munissez de quelques récompenses. Prenez des récompenses qui sont appétantes, qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas pour autant trop grosses. D'accord ? Donc pas de gros biscuits secs, ce genre de choses qui vont être tout de suite bourratifs pour le chien. Donc des récompenses appétantes que vous pouvez proposer à votre chien plusieurs fois de suite sans que ça pose de soucis. Et puis surtout, on travaille dans un environnement, dans un premier temps, assez calme, sans trop de distractions autour. Ok, alors le travail du assis, très simple, comme je vous disais, je prends ma récompense dans la main, je mets ma récompense au niveau de la truffe de mon chien et Opium, assis, je remonte la main. Très bien, mon chien s'assoit. Opium, viens. Opium, assis, je remonte la main. La gestuelle est extrêmement importante là-dessus. Je recommence, Opium, viens. Opium, assis, je remonte la main et je n'hésite pas, si mon chien a un petit peu de mal, vraiment à amener ma main jusque finalement le dessus de sa tête, même à dépasser un petit peu. Plus ma chienne aura tendance à lever la tête et à pencher la tête en arrière, plus elle aura tendance à poser ses fesses par terre. Donc ma chienne lève sa tête et elle pose ses fesses par terre, tout de suite je félicite. Donc on a dit au début, je me sers d'une récompense. Cette récompense, elle va me servir tout simplement de guide au niveau de ma gestuelle. Donc ma gestuelle me sert de guide, la récompense intéresse mon chien. Et puis au fur et à mesure, cette récompense, il faut apprendre à s'en passer. Donc qu'est-ce que je fais? Donc je n'ai pas de récompense dans la main. Et là, cette fois-ci, assis. Très bien, super. Je dis à ma chienne de s'asseoir, je félicite, je récompense. Très très bien, je récompense par la friandise, va. Par la caresse et par la voix également. Ça va être les différents types de récompenses que je vais utiliser là maintenant. Je pourrais aussi utiliser le jeu, pourquoi pas. Et en fait, plus ça va aller, plus je vais pouvoir me passer tout simplement de la friandise, de la croquette, au profit d'un autre type de récompense. En général, ce sera la voix. Opium, assis. Assis. J'ai toujours ma gestuelle. Hein. Très très bien. Super, je félicite. Je récompense, la voix, la caresse, comme je vous dis, au fur et à mesure, je me passe de la friandise. Donc vous voyez cet ordre assis, plutôt très simple. Je commence, première étape, en guidant avec mes récompenses. Assis, je lève la main, mon chien lève la tête, il pose les fesses par terre. Dès lors qu'il pose les fesses par terre, je félicite, je récompense. Plus l'ordre est maîtrisé, plus je me passe des friandises au profit de la voix, de la caresse, finalement d'un autre type de récompense. Et puis l'ordre est tout simplement acquis. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre en place. Je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker ou à vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.